Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazé, votre gamer favori. On se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite, de la boutique du jour de Fortnite, pardon, du 8 avril 2024. Donc avec les nouveautés à la une, avec toujours le retour du champ marin, donc avec l'emote rare, donc pour 500 V-Bucks. Donc brave les vagues avec votre section saison 5 chapitre 2. Emote synchronisé, emote du groupe. Joignez-vous au cœur des autres joueurs qui utilisent l'emote champ de marin. Donc tout ça, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack de notre cher de Styx, toujours avec Charon en tenue rare, avec sa version Lego, avec sa barque de Styx qui est un accessoire de dos rare, la rame Stygienne, c'est sa pioche atypique, et la promesse obscure, c'est son petit revêtement d'armes atypique, réactif, le tout pour 1500 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Charon, donc en tenue rare, avec sa version Lego, et barque du Styx qui est un accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. La rame Stygienne, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. La promesse obscure, c'est son revêtement d'armes atypique, réactif pour 300 V-Bucks, donc pack et hors pack. Ensuite, faites un vœu, c'est une petite emote rare également, pour 500 V-Bucks, et semez à tout vent cette saison et ce chapitre pour 500 V-Bucks. Voilà. Le pack armé solaire qui fait son retour, donc avec solaire, avec ses 4 customs, donc en tenue rare, donc pour la troisième et la quatrième custom qu'on voit actuellement à l'écran. Donc, il fait partie de l'ensemble armée solaire saison 8, premier chapitre, avec sa version Lego. Les ailes solaires, c'est son accessoire de dos rare également avec ses deux customs. Voilà. L'icône solaire, c'est le petit planeur rare. Tescal, donc avec ses deux customs en tenue rare également. Voilà. Avec sa version Lego. Lanceur solaire, c'est son accessoire de dos rare avec ses deux customs. Voilà. Et pour finir, la hashtag qui est leur pioche rare, donc tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc solaire et ses 4 customs en tenue rare, et sa version Lego et ses 2 customs, elle solaire, accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. L'icône solaire, c'est le petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Tescal avec ses 2 customs en tenue rare, et sa version Lego et ses 2 customs, en solaire, accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. La hashtag, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez les pionniers, donc avec la fiancée de l'air qui fait son retour en tenue rare, fait partie de l'ensemble As du Manche saison 6, premier chapitre, donc avec sa version Lego, avec ses brasseurs d'air qui sont accessoires de dos rare, le tout pour 1200 V-Bucks. Vendeur des cieux, donc qui fait partie du même ensemble en tenue rare avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Voltigeuse, donc qui est partie du même ensemble, As du Manche, saison 7, premier chapitre, donc en tenue rare avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Le dirigeable, c'est leur petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Turbine, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez les styles emblématiques avec le retour de la comtesse d'Araku, donc en tenue rare. Elle a soif du succès, fait partie ensemble Astro Canine saison 4 chapitre 4, donc avec ses deux customs avec ou sans les lunettes tout simplement, donc en tenue rare, donc pardon, avec sa version Lego, avec les ailes d'onde qui sont accessoires de dos rare pour une sensation sonique. Voilà, et elle a dit, ouais, la soif du succès, tout ça pour 1200 V-Bucks. L'épée ancestrale de Daraku, donc c'est sa pioche rare, l'arme maintes fois utilisé d'un royaume disparu, donc pour 800 V-Bucks. Asmodée, donc qui fait son retour en tenue épique, donc et contempler vos adversaires avec mépris, fait partie ensemble démon de combat saison 9, premier chapitre, donc il fait son retour également avec ses deux customs, sa version Lego. Oculaire, c'est son accessoire de dos rare, compétiteur, prends garde à toi, un œil noir te regarde, tout ça pour 1200 V-Bucks. Callisto, donc qui fait partie du même ensemble, donc démon de combat, saison 9, premier chapitre, avec sa en tenue rare, avec sa version Lego, avec Diablerie qui sont accessoires de dos rare. Attention, ce sac est hanté. La hantise de tous les démons, tout ça pour 1200 V-Bucks. L'escarpé, donc qui est sa pioche rare, donc clouer leur le bec pour 1800 V-Bucks. Voilà, petit ensemble sympathique. Ensuite, vous avez le retour du pack Masque de métal, avec Zadie en tenue rare avec ses 3 customs. Voilà. Avec sa version Lego, avec gueule de métal et ses 3 customs en tenue rare également. Donc, c'est l'ensemble masque de métal, saison 1, chapitre 2. Donc, avec sa version Lego, avec ses masses pointues, accessoires. Sa tenue rare, ses masses pointues, accessoires, pioches rares. Donc, et chacun a un pack, le pack de défis légendaire, le pack de défis de gueule de métal pour des styles différents pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Zadie, ses 3 customs en tenue rare, avec sa version Lego et ses défis de Zadie et les quêtes supplémentaires pour avoir des nouvelles customs pour 1200 V-Bucks. Gueule de métal, ses 3 customs en tenue rare, avec sa version Lego et ses défis de gueule de métal, les quêtes légendaires pour avoir des nouvelles cosmétiques, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Les masses pointues, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks, voilà, avec ses deux customs. Ensuite, vous avez
le retour de Ahel en tenue rare. Donc il frappe sans prévenir, fait partie de l'ensemble Cieux Tempétueux. Non, enfin, le retour, non, la revue d'un boutique, pardon. Il fait partie de l'ensemble Cieux Tempétueux, saison 2, chapitre 5. Donc voilà, avec sa version Lego, le tout pour 1200 V-Bucks. Badge de foudre, c'est son vêtement d'armes réactif atypique pour 300 V-Bucks. Rêverie, c'est une petite emote typique, donc les journées sont plus belles quand on danse, saison 7, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Le retour de Banshee, donc avec ses deux customs en tenue rare, donc adorable et mystérieux, c'est parti ensemble Lapin Guerrier, saison 9, premier chapitre, avec sa version Lego. Avec son Moshi qui est son accessoire de dos rare, donc son sourire est trompeur, tout ça pour 1200 V-Bucks. Le retour de Genesee originel, donc souvenir de votre première partie, parti ensemble Origine, saison 4, chapitre 2, avec sa version Lego, le tout pour 800 V-Bucks. Jade la Rouge qui fait son retour également, donc avec ses trois customs en tenue atypique. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Et la troisième custom et sa version Lego pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales que vous pourrez ajouter dans votre casier et qui sont disponibles dans le Fortnite Festival avec du Degaga, du The Weeknd, enfin tous les artistes que vous connaissez pour 500 V-Bucks. La piste musicale, donc si vous voulez l'avoir tout le temps sur vous, donc il vous suffit juste de l'acheter dans la boutique et, sur votre, et vous verrez que vous avez dans le casier une place pour les musiques favorites, donc vous pouvez mettre en favori et bon, vous les retrouvez dans le Fortnite Festival, donc vous aurez juste tout le temps sur vous. Ensuite vous êtes sur le pack Lady Gaga, donc pour 2800 V-Bucks avec la tenue Gaga Chromatica Interi série Icône, donc la tenue série Icône avec sa version Lego, avec les plus exaltantes c'est l'émote, la basse Chromatica c'est sa basse, le micro Chromatica c'est son petit micro, la piste musicale Stupid Love donc de Lady Gaga de 2020 pour 2800 V-Bucks, le prix du pack, hors pack vous avez Gaga Chromatica avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, la basse Chromatica c'est sa petite basse pour 800 V-Bucks, la micro Chromatica son petit micro pour 800 V-Bucks, la plus exaltante c'est son émote pour 500 V-Bucks, voilà, et pour finir la Stupid Love donc qui est la piste musicale de Lady Gaga, tout pour 500 V-Bucks également. Ensuite, équipez-vous pour le Fortnite Festival, donc avec toujours le grand bleu, le petit clavier atypique pour 500 V-Bucks, la néon urbaine, donc qui est la basse typique pour 1000 V-Bucks, la guitare intemporelle, qui est la petite guitare rare pour 800 V-Bucks, sur les mains, c'est la petite emote atypique pour 200 V-Bucks, et à genoux, l'autre petite emote atypique pour 200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez fait vomir les moteurs, toujours avec la McLaren 765LT, donc avec le châssis dédicacé, les roues, ensuite vous avez les stickers typiques, bande, tech, éclair, géofade et lion, le tout pour 2800 V-Bucks. Ensuite vous avez toujours le pack Mazamune, donc avec la Mazamune, le châssis Mazamune atypique, avec ses stickers typiques, incendie, otaku, DJ Sushi, étoile, bande et pour finir, rage au volant. Ensuite vous avez le petit turbo missile, donc le petit missile magique, pardon, le turbo atypique, donc 250 V-Bucks, vous avez donc les voitures, aussi bien les voitures que les petits turbos, vous les retrouvez dans les trois modes de jeu, Rocket Racing, Battle Royale et surtout vous les avez dans Rocket League également, le tout pour 250 V-Bucks. Le turbo Ioniq, donc en atypique également pour 250 V-Bucks. Et les roues Santa Fe, donc également, donc les roues rares pour 700 V-Bucks, voilà, vous pouvez les customiser comme vous voulez. Ensuite, vous avez toujours les petits packs Château de Chevalier du Lion, donc pour rien pour le Lego Fortnite, donc avec le petit pack à 2500 V-Bucks qui comprend donc Atelier des Chevaliers, Petit Donjon de Chevalier, Grand Donjon de Chevalier, la Tour Mage Royale de Chevalier, la Guérite de Chevalier, le Coin Galerie de Chevalier, la Galerie de Chevalier, l'Escalier Mural de Chevalier, l'Escalier de Tour de Chevalier, la Tour de Chevalier justement, les décorations, donc 3, 10 constructions, 65 décorations, donc avec décoration. Le blason de chevalier, décoration à para de garde, décoration essence du défenseur, décoration et les sélections du mage, décoration atelier chevalier et pour finir la décoration mobilier donjon, tout ça pour 2500 V-Bucks. Alors pas que vous avez le kit choix de chevalier, donc avec deux constructions, 15 décorations, grand et petit donjon de chevalier avec la décoration mobilier du donjon pour 1400 V-Bucks. Le pack muraille de chevalier, donc avec galerie de chevalier, tour de chevalier, escalier tour de chevalier, galerie de chevalier, coin de chevalier, escalier mural de chevalier avec décoration blason de chevalier, décoration à para de garde et décoration essence de défenseur, donc 6 constructions, 34 décorations pour 900 V-Bucks. Ensuite, vous avez le choix du mage, donc avec la tour du mage royal de chevalier, tour de mage royal de chevalier, pardon, avec l'atelier de chevalier, décoration atelier de chevalier, décoration sélection du mage, tout pour deux constructions, 16 décorations pour 1200 V-Bucks, pardon. Ensuite, vous avez toujours le boulevard balnéaire, donc qui comprend donc pavillon de plage, boutique de natation, maison de plage, tour de maître nageur, maison marine,
Maisonnette de plage, le refuge, la décoration promenade de plage, décoration à Charlie Thérault, décoration cabane de plage et décoration coin cousy. Cette construction 44 décorations, toujours pour les Lego Fortnite pour 1900 V-Bucks. Alors, pas que vous avez l'équipe de promenade de plage, donc il comprend tour de maître nageur, pavillon de plage, maison marine, maison de plage, boutique de natation, donc 5 constructions, 15 décorations, donc avec décoration promenade de plage et décoration à Charlie Thérault pour 1500 évêques. Ensuite, vous avez l'équipe de cabanon de plage, de construction 29 décorations, donc maisonnette de plage, le refuge, décoration cabanon de plage, décoration coin cousy pour 1200 évêques. Ensuite, vous avez toujours le pack Fortnite des Gardiens de la Galaxie, donc pour 28,99€, donc avec Drax, la version Lego, avec l'âme de Drax, accessoire de dos et pioche, Groot, jeune adulte, donc avec sa version Lego, avec la manette de Groot qui sont accessoires de dos, le point pour le Colossus, c'est sa pioche, Mantis avec sa version Lego, petit Abilis qui est accessoire de dos, les griffes incestuosoïdes, c'est sa pioche, ensuite vous avez Noix d'invisibilité, une petite Imote, et Danse du Groot en pot, la deuxième petite Imote, donc tout ça pour 28,99€. Ensuite vous êtes sur le pack Vinderman 2.0, donc avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde, vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans Sauver le Monde, terminez la défense du bouclier anti-navette base 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis, donc il comprend donc. Le docteur Vanderbot dans contenu hippique avec sa version Lego, avec le bleu lit qui sont accessoires de dos rares, la fiole à frapper c'est sa pioche rare, donc tout simplement. Ensuite vous avez toujours le pack démarrage opération fluo, donc toujours avec pour 3,75€, donc avec agent de fluo, donc une tenue 13 décorations, donc avec ses deux custom en atypique avec sa version Lego, avec ses étoiles fluo accessoires de dos, la décoration chambre fluo, donc. Qui est sa petite décoration, tout ça pour 3,75€. Ensuite, vous avez toujours le pack Invincible, donc avec les gardiens du globe, donc avec Omni-Man en tenue hippique avec ses trois accessoires de dos, donc tête de l'immortel, cape d'Omni-Man et canon blanc d'Omni-Man. Ensuite, avec Invincible, toujours en hippique avec son accessoire de dos, sac Burger Mart. Atom Eve en hippique avec ses trois accessoires de dos, emblème d'Atom Eve, cape d'Eve et cape d'emblème d'Atom Eve, tout ça pour 2800 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Invincible, donc avec son sac Burger Smart, toujours en hippique pour 1500 V-Bucks. Omni-Man en hippique avec tête de l'immortel, cape d'Omni-Man et cap emblème d'Omni-Man qui est ses trois accessoires de dos pour 1500 V-Bucks. Atom Eve en hippique avec ses trois accessoires de dos, voilà, pour 1500 V-Bucks également. Le pack équipement du gardien du globe, donc avec la balle hyper rapide, sa petite emote, la masse de War Woman, une petite pioche atypique, la bras de Reanimec, une première pioche rare, la deuxième épée cibatomique, impression invisible, c'est le vêtement d'arme, et l'écran de chargement gardien de l'île, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez bras de Reanimec, la pioche rare pour 800 V-Bucks, la barre hyper rapide, l'emote rare pour 500 V-Bucks, la masse de War Woman, la pioche atypique pour 500 V-Bucks. Et l'épée subatomique, la pioche rare pour 800 V-Bucks, voilà tout simplement. Ensuite, vous avez Fortnite Flow, donc avec Separtine pour ma petite emote série icône. Donc il faut que ça bouge, saison 3, chapitre 4 pour 500 V-Bucks. Oura, notre petite emote série icône. Lever les mains, ça ne coûte rien. Chapitre original, donc saison originale Fortnite, donc emote synchronisée. Donc on l'avait donc au retour du chapitre 1 pour 300 V-Bucks. Tu es un gagnant, c'est notre emote série icône. Tout ce que je fais, c'est gagner. Donc, toujours emote synchronisée, toujours dans la Fortnite Festive, la saison OG, pardon, pour 300 V-Bucks. Le Gundam Style, donc en style, disponible saison 5, chapitre 2, et mobile pour 500 V-Bucks. Goad, donc venez avec moi, saison 3, chapitre 4 pour 500 V-Bucks également, toujours en série icône. Ensuite, j'ai toujours le pack des lanternes, donc avec. Le pack de casier de Banderitas, donc avec Pyjama Pizza, donc qui fait son retour en tenue rare avec sa version Lego, front montant accessoire de dos rare, la spatule c'est sa pioche atypique, fast food et volant c'est son petit planeur, et pour finir vous avez Rage Kit Limote atypique pour 2000 V-Bucks. Alors pas que vous avez Pyjama Pizza, donc en tenue rare avec sa version Lego et front montant accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. La Pepperoni c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks, le fast food volant c'est son petit planeur à pic pour 1200 V-Bucks, et la Rage Kit c'est sa petite Limote atypique pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours la possibilité d'acheter 25 niveaux dans le pass de combat pour 1850 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pass festival. Donc emparez-vous de la scène principale et accomplissez les quêtes festival pour obtenir des points de festival pendant la saison 2. Déverrouillez les éléments suivants. Recevez immédiatement l'aura hack musical. Accédez à la voix bonus. Rendez-vous dans Fortnite Festival pour accéder au pass révéler votre talent. Progressez dans le pass pour obtenir des avantages récompenses. Progresser dans le pass pour obtenir davantage de récompenses, dont la guitare gratte Chromatica, la piste musicale Wild of Me, l'écran de chargement la collection Gaga, la piste musicale Black Rosen, l'aura Aurore Boréole, la piste musicale Break Me, le petit guitare Chromatica, c'est le petit clavier, donc la piste musicale Poker Face, l'accessoire de dos Signal Sinusoïde, l'emote Kinect Pink et la tenue Gaga Animatique. Si vous gagnez des points festival avant d'acheter la voix bonus, vous recevez automatiquement les récompenses obtenues jusqu'à ce point. Les récompenses de la voix bonus pourraient être proposées à nouveau. Proposer à venir dans la boutique d'objets, c'est déjà le cas, donc pour 1800 V-Bucks, vous avez tout ce que vous avez à l'écran.
Ensuite, vous êtes toujours possibilité de souscrire Club Fortnite pour 12 € par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est déverrouillée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez passe de combat, vous remboursez 150 V-Bucks, vous recevez 20 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours un reste en tenue rare avec sa version Lego, la cape de guerrier, c'est son accessoire dodo rare, et la Dory immortelle. D'immortel, pardon, c'est sa pioche atypique, tout ça pour 12 € par mois, les amis. Si vous souscrivez, déjà aujourd'hui au Club Fortnite, voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager pour le soutien, c'est très important, les amis. N'hésitez pas, si la chaîne vous plaît vraiment, à soutenir, à vous manifester, à mettre des pouces bleus, des commentaires, ça me ferait énormément plaisir, les amis. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Je mords personne, je ne mange personne, donc vous pouvez être accès librement, vous pouvez librement mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'oubliez pas aussi de partager la chaîne, partager les vidéos que je fais sur la chaîne. Pour la faire connaître au maximum, donc, et qu'on soit de plus en plus nombreux. Et si toi tu regardes mes vidéos, que tu n'es pas encore abonné, tu te demandes comment faire, et bien regarde, c'est à droite, tu cliques en bas à droite, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner, tu ne peux pas activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties de vidéos, et pour le soutien sur Fortnite et sur Rocket League, je vous rappelle sur les deux jeux ça fonctionne également. Le code créateur, tu ne peux pas oublier, c'est le code qui a explosé l'année dernière, donc c'était le code de l'année 2023, maintenant c'est le code de 2024, c'est le code brasier en majuscule, en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye.